Yo, ça se passe. C'est moi, Edgelord virtuel dit. Bon, allez, là, faut que je fasse quelque chose de populaire, là. Y a quoi qui est populaire en ce moment comme jeu ou quoi que ce soit? Getting over it. Ouais, non, c'est trop facile, ça. Monster Hunter World. Ouais, mais j'ai pas envie de jouer sur console à 30 FPS. Je préfère attendre qu'il sorte sur PC. Five Nights at Freddy's. Ah non, moi, les nuits, ça m'endort. PUBG. Va te faire foutre. Akinator. Tiens, Akinator, c'est une idée ça. Parce que je vois souvent beaucoup de youtubeurs qui le font et à chaque fois, ils perdent. À chaque fois, leur personnage se fait deviner super facilement. Et moi, je pense qu'en fait, ce jeu n'est pas aussi difficile qu'il le présente. Et je vais vous le prouver. Alors, pour ceux qui savent pas, la base de données d'Akinator est différente selon la langue. Donc, j'ai décidé de jouer en anglais. Comme ça, au moins, je lui donne un peu une chance pour qu'il y ait plus de gens et tout ça. Donc, quel personnage Pourquoi pas Verushka de Knight of Azur 2. Je pense que là, peut-être qu'il aura du mal. Est-ce que c'est une femme? Bah oui, enfin j'espère, hein. Est-ce qu'elle parle japonais? Alors ça, c'est difficile parce que on va dire que ou peut-être. Dans le jeu, en tout cas, oui. Mais en même temps, ça se déroule pas au Japon, tout ça. On va dire peut-être. Probablement. Est-ce que c'est un lycéen? Bah, pas que je sache en tout cas. Est-ce que c'est un personnage d'un jeu? Oui. Est-ce qu'elle se bat avec une épée? Bah, c'est plutôt des sortes de dagues, on va dire. Est-ce qu'elle a des pouvoirs magiques? Peut-être. Est-ce que c'est un personnage d'un jeu PlayStation? Bah, pas de PlayStation 1 en tout cas. Ouais, on va dire qu'on sait pas. Est-ce que le personnage est blond? Non. Qui est les cheveux noirs? Ben, non plus. Qu'elle peut voler? Elle a pas d'ailes, à ce que je sache. Est-ce qu'elle a déjà eu des cheveux violets? Non. Quoi? Malayenne. On va dire non, hein. Est-ce qu'elle est maigre? Bah, pas spécialement grosse, donc probablement. D'origine arabique, non. Est-ce qu'elle sponsorise des orphelins? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu fais n'importe quoi. Est-ce qu'elle est amoureuse? On va dire qu'on sait pas, c'est mieux. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Est-ce qu'elle se bat contre des monstres? Ouais, des fois, ouais. Est-ce qu'elle joue dans Teen Wolf? Mais tu me racontes quoi là, mon pauvre? Est-ce qu'elle joue au volet? Mais je pense que t'y es pas trop là en fait. Est-ce qu'elle a les cheveux longs? Pas vraiment. Est-ce que c'est un humain? À moitié. Comment on dit moitié? Y a pas moitié ici. On va dire probablement. Est-ce qu'elle a une queue? Ah, je suis pas allé vérifier, mais pas ce que je sache. Est-ce qu'elle a les cheveux bleus? Ouais, turquoise, on va dire, mais c'est pareil, hein. Est-ce que c'est un lapin? Est-ce que c'est un lapin? C'est vraiment une question existentielle, ça. Mais bon, on va dire non. Est-ce qu'elle est principalement silencieuse? Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que c'est? Non, non. Non, t'y es pas, là, non. Un bouddhiste. Bouddhiste. Est-ce qu'elle avait frères et sœurs? Mais j'en sais rien du tout, moi. Mais pourquoi tu me poses ça à moi? C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Faut lui demander à elle. Tu dis des armes tranchantes. Oui. Tu as des ailes. Ben non. À moins qu'elle mange du poulet. Des longues oreilles, non. Les cheveux blancs, mais je t'ai déjà dit qu'elle avait les cheveux bleus, mais. Danosaur. C'est quoi? C'est quoi? Non, mais faut que tu sois plus clair, là, parce que là, franchement. Là, je comprends rien à ce que tu me racontes, quoi. Un jeu PC, oui, entre autres. Underswap. Non. Non. Non, 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 non. Qui utilisent des pistolets, non.
Couteau, on peut dire ça, j'imagine. Un barbare? Non, c'est pas un barbare. Mais est-ce que c'est une fille? Bah oui, je lui l'ai dit. Mais y a pas les cheveux rouges, mais... C'est quoi, t'as bu ou c'est Alzheimer, je sais pas. Est-ce qu'il est proche de Brad Pitt? Bah, je connais pas leur relation, mais en même temps, je dirais que non. Les cheveux bleu clair, peut-être. Non, c'est pas ça. Encore raté, hein. Est-ce qu'elle est connue pour dire des choses stupides? Bah, c'est pas moi, donc non. Est-ce qu'elle a sorti plus de 3 albums? Tu sais au moins de qui on parle, hein. Est-ce qu'elle a une marque? Je sais pas, je dirais que c'est très difficile à vendre. Est-ce qu'elle est roumaine? Mais putain, mais arrête, là. Là, tu fais n'importe quoi, là. Est-ce qu'elle a un rapport avec la glace? Non. Est-ce qu'elle porte une armure? Est-ce qu'on peut appeler ça une armure? Je pense pas. C'est un ninja. Pas tout à fait. Je sais pas, on va dire. Est-ce que c'est un docteur? Ben non. Cheveux, non, mais arrête avec tes cheveux là, mais qu'est-ce que t'as? Staff, mais non, mais. Mais arrête avec les cheveux, je te dis. C'est avec l'eau. Avec ta mère? Ben non. Un assassin, oui. Mais pas de masque. Un renard? Non, c'est pas Capcom. C'est pas asiatique non plus. Ce qui a tué des humains, mais je viens de te dire que c'était un assassin, mais tu m'écoutes ou quoi? Et c'est pas un enfant non plus. Et c'est pas un personnage d'Inuyasha. Mais tu sors d'où tes références là? Non. Dota non, arrête. League of Legends non. Mais pas les cheveux rouges, je l'ai déjà dit, et pas non plus Blizzard, et pas non plus les cheveux blancs, mais c'est quoi des questions avec les cheveux ou les jeux, tout ça, enfin... Et puis un fauteuil roulant, non mais arrête quoi. Ça y est, les Simpsons maintenant, et puis quoi encore? Non. Mon petit Aki, je peux t'appeler Aki? Je sais pas comment dire ça, mais je pense que peut-être que tu es sous-qualifié pour ce job. Bah, je dis pas ça pour te vexer, hein. Mais c'est possible que, à ton entretien, on ait surestimé tes compétences. Après, je veux pas être méchant, moi je veux t'aider. Je veux dire, je pense que peut-être que tes personnages, c'est pas ta voix, peut-être qu'il y a quelque chose que tu sais faire de mieux. Mais bon, je vais quand même te donner une seconde chance, allez. Bon, on va essayer autre chose. Pourquoi pas des youtubeurs virtuels, par exemple. On va dire Kanata Hikari. Tout le monde l'aime, hein. Bon, est-ce que c'est un garçon, bah, du coup, non. Est-ce qu'elle me connaît personnellement? Peut-être. C'est difficile à dire à ce moment-là. Est-ce qu'elle est connue pour faire des vidéos YouTube? Ben oui. C'est un gamer, à jouer à des jeux vidéo de temps en temps, mais de la dire que c'est un gamer, je sais pas. Peut-être. Est-ce qu'elle joue à Ark Survival Evolved? Ben non. Est-ce qu'elle joue pour Manchester City? Mais qu'est-ce que c'est encore que ces questions là? On va pas s'en sortir là. Est-ce qu'elle vit en Amérique? Ben non. Est-ce que c'est un youtubeur célèbre? Ah, relativement célèbre, enfin, plus que moi c'est sûr, mais ouais, allez, on va être sympa, hein. Moi, je suis comme ça, moi. Est-ce qu'elle est connectée avec les sorcières? Ouh là là, c'est dangereux, là. Je sais pas si j'ai envie d'avoir des sujets, là. On va mieux dire non. Thaïlandais? Bah non. Bye. Non plus. On va, mais tu vas me faire toutes les nationalités, je pense, là. Fais des vidéos Minecraft, pas que je sache. Européen? Bon, on n'a pas encore fait les Européens, mais cette fois-ci, c'est non. Parle japonais, oui. Est-ce que c'est une vraie personne? On aimerait tous. Mais... Malheureusement, on peut pas vraiment dire ça, quoi. Est-ce qu'elle jouait dans le film Mission Impossible? Alors, franchement, j'aimerais bien. Mais malheureusement, non.
Est-ce qu'elle porte du rose? Je crois pas. Vocaloid, non. Est-ce qu'elle est blonde? Ben non. Twin Tail et... Ouais, on peut dire ça. Ah, t'es pas loin, mais non, en fait, non. Non, c'est pas brun. Est-ce qu'elle est mariée à un officier de police? Si elle était mariée avec quelqu'un, ce serait plutôt l'officier de police qui allait aller le chercher. Est-ce qu'elle a une connexion avec les champignons? C'est toi qui as une connexion avec les champignons, je pense qu'on a pris un peu trop. Est-ce qu'elle va dans une boîte? Sérieux? Est-ce qu'elle va dans une boîte? Et pourquoi elle irait dans une boîte? Tu veux la mettre dans une boîte, c'est ça? Espèce de vieux fou. Youtubeur, j'avais pas déjà dit ça? Une autre dimension? C'est très profond comme question, mais j'aurais envie de dire non. Est-ce qu'elle est associée avec une pomme? Est-elle associée avec une pomme? On va dire non, pour être sûr. Il n'a rien à voir. Est-ce qu'elle a une sœur? Mais j'en sais rien, moi. Alors maintenant, c'est une araignée, c'est ça? Ok, je vais pas répondre à cette question. Est-ce qu'elle a moins de 12 ans? Peut-être pas, on sait pas trop. Est-ce avec la nature? Pas spécialement. Alors ça, j'en sais rien. C'est un animateur? Non. Gamer? Des fois. C'est un nom qui se rapporte avec les animaux? Non. Est-ce qu'elle fait partie d'un groupe de plus de 10 membres? Pas que je sache. Mais j'ai déjà dit qu'elle était pas blonde, mais tu vas arrêter là? Cheveux courts? Non. Brun non plus. Encore, mais tu... Ça y est, il nous fait la suite des cheveux là, ça y est. Tu as fait des vidéos gaming, ça lui arrive. Est-ce qu'elle a participé dans des guerres contre l'Empire Ottoman? Je vais pas demander. C'est pas une question que j'ai pensé à lui demander, pour être honnête. Donc, je sais pas trop, mais honnêtement, je dirais que non. Je l'ai pas vu en tout cas, moi, quand j'y étais. Non. Indonésien, non. Philippines, bon, allez, encore. Hein. Cheveux rouges, non. C'est soit les cheveux, soit la nationalité, c'est ça? Est-ce qu'elle est réelle? Malheureusement. Les cheveux bleus. Ah! Est-ce qu'elle joue dans One Tree Hill? Non. Est-ce qu'elle vit avec son père? Je dirais que oui. Aikatsu, mais qu'est-ce que tu racontes? Non. Elle est membre d'une équipe. Comment je suis censé savoir ça, moi? Quoi? Attends. Qu'est-ce que t'insinues, là? C'est dangereux, là, ce que tu fais. Hein. Je te dis tout de suite. Point magique. Pas que je sache. Mais bon, peut-être qu'elle les cache bien. Hein. Espèce de vieux pervers. Mais qu'est-ce que tu nous fais avec notre précieuse Imoto? Franchement, j'en ai marre. J'ai appelé les flics, ça continue. La planète Gallifrey, mais on est où, là? Elle vit dans une boîte, c'est ça? Et puis elle voyage dans le temps, non? Mais arrête avec tes séries télé, là. Voodoo, mais... Tu nous fais n'importe quoi, là. Parce qu'elle parle anglais, pas dans ses vidéos, mais elle se démerde pas mal, on va dire. Je sais pas d'où tu me les sors, toi. Je sais pas vraiment pas d'où tu me les sors. Est-ce qu'il y a un sabre laser? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sérieux? Est-ce qu'elle a chanté un titre dans les années 90? Mais elle était probablement même pas née dans les années 90. Est-ce qu'elle aime regarder les animés? Pourquoi tu me poses la question à moi? Mais. J'en sais rien, moi. Non, c'est pas Tsune Miku. Livreur de pizza? Facteur, concierge. Ouais, j'essaie de trouver des boulots parce que clairement, trouver des personnages, c'est vraiment pas ton truc là. Je suis désolé de te dire ça, mais. Je pense que t'es pas fait pour ça. On va dire, on a chacun. Il y a des trucs des fois qu'on sait faire, qu'on sait pas faire. Désolé, hein. Bon, on va en faire une dernière, hein. On va faire un peu l'humiliation finale. Moi. Est-ce que votre personnage est connu pour faire des vidéos YouTube? Connu, c'est un bien grand mot. Hein. Je fais des vidéos YouTube, mais en même temps, je suis pas vraiment connu pour ça. Allez, on va te l'accorder. Est-ce que je fais des vidéos de Minecraft? J'ai jamais fait une seule vidéo de Minecraft. Je sais pas d'où tu sors ça. Est-ce que c'est une femme? Non. C'est un gamer?
Oui, mais en même temps, je fais pas des vidéos de gaming, donc on va dire probablement. Est-ce que j'ai plus que 1 million d'abonnés? Est-ce que j'ai plus qu'un million d'abonnés? Ah là là. Si seulement. Si seulement. C'est beau de rêver des fois. Est-ce que je suis européen? Eh, j'habite dans le monde virtuel, mais après, ça dépend où tu situes le monde virtuel sur la carte. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Peut-être. Est-ce que je parle anglais? Ça m'arrive, mais pas toujours. Est-ce que je suis un robot? Je ne crois pas être un robot négatif. Est-ce que je parle russe? Comment on dit non en russe? Je sais pas. Donc non. Est-ce que je porte des lunettes? Ben ça se voit, non? Est-ce que je suis connu pour jouer à des jeux sur YouTube? Alors déjà, je suis pas connu et je fais pas de jeux sur YouTube, donc non. Est-ce que j'habite en Angleterre? Est-ce que c'est l'Angleterre ici? Je crois pas en fait. Est-ce que je suis plus vieux que 21? Moi je sais, par contre, personne d'autre le sait. Donc, on va dire que personne ne le sait. Est-ce que je suis allé en Chine? Mais pourquoi j'irais en Chine? Est-ce que les cheveux noirs? Oui. Est-ce que je dessine? Comme une merde, mais ça m'est arrivé. On va dire probablement pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais arrête quoi. Est-ce que j'ai des oreilles d'animaux? Ah, si on compte la vidéo que j'avais fait, peut-être, mais généralement non. Est-ce que je suis né en Europe? Non, je suis né dans le monde virtuel. Musulman? Est-ce que j'ai l'air d'être musulman? Est-ce que tu me regardes là et tu te dis, est-ce que je suis musulman? Non. Est-ce que je peux parler japonais? Ah, Mizukashi! Zenzen hanasenai. Est-ce que j'ai une copine? J'ai oublié de répondre à cette question là. Je peux. Je suis obligé d'être honnête, c'est ça. Bon ben. Est-ce que j'ai un frère? Mais c'est pareil, c'est des questions, ça te regarde pas. Franchement, tu poses trop de questions, toi. Est-ce que je joue à des e-sports? Je suis pas un pro gamer, hein. Je fais ce que je peux, mais c'est pas vraiment ça. Bon, est-ce que j'ai un rapport avec Five Nights at Freddy's? Mais j'ai l'air de quoi? Est-ce que j'ai l'air d'une marionnette qui tue des gens? Non, mais ça va pas là. Dites-moi que j'ai pas l'air d'une marionnette qui tue des gens. Je le prendrais mal. Mais tu m'as déjà posé cette question. Et ça n'a pas changé depuis. Est-ce qu'il vit dans mon pays? C'est con cette question, parce que oui, forcément, moi je vis dans le même pays où je vis, quoi. Tu veux faire quoi contre ça? Comment tu veux juger un personnage basé sur ça? Tu pars en délire, là, je sais pas, t'as pris de la drogue ou... On va dire probablement. On en est très loin. On en est très très loin. Est-ce que je suis gros? Tu m'insultes, là. C'est ça, tu essaies de m'insulter, en fait. En fait, là, je trouve que t'as... T'as laissé tomber d'essayer de deviner le personnage et là tu cherches juste à m'insulter quoi. T'as de la chance que je le prenne pas mal. Hein. T'as franchement de la chance. Bon moi je me considère pas gros. Je suis pas vous. Est-ce que je suis attiré par la lumière? Non. Est-ce que je dis des gros mots? Des bordels de merde que non putain! Il cherche vraiment à me taunter, quoi, c'est incroyable. Est-ce que je bouge de pays en pays? Bah, c'est-à-dire que je suis toujours sur ce rocher qui flotte, là. Je sais pas si on peut appeler ça un pays, mais en tout cas, généralement, je bouge pas trop, donc... Est-ce que je fais des vidéos YouTube drôles? Bah, drôle, ça dépend des gens, on va dire. Ça dépend de l'humour. Il y en a qui trouvent ça drôle, il y en a qui trouvent que c'est horrible et qui ont envie de se suicider dès qu'ils les voient. On va dire probablement que j'ai un rapport avec les animés. Pas personnellement, je les connais pas, je les ai jamais rencontrés. Est-ce que je fais partie de la voie ferrée? Mais est-ce que tu vois des trains qui passent sur ma tête? Déjà. Bah non, il n'y en a pas. Ça va vraiment pas là. Ça va vraiment pas. Hein. Pour toi, désolé. Ah, ça fait du bien de gagner quand même. Je ne pense pas que le but soit de gagner. C'est quoi le but alors? Le but est de laisser Akinator deviner le personnage et d'être surpris. C'est quoi l'intérêt d'un jeu où le but c'est de pas gagner? Si tu cherches de la compétition, tu peux jouer à un autre jeu. Mais quoi par exemple? PUBG. De quoi? PUBG. J'entends rien du tout. PUBG. Bon, attends, je vais me rapprocher. Tu disais quoi? PUBG. Ah.
Vous inquiétez pas, il va pas se faire mal. Il n'y a pas de sol.18 secondes 2, record battu.